Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point Croix. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, je vous fais le déballage d'une pièce de Diamond Painting que j'ai commandée chez Create Love Share. C'est en Australie. Puis je l'ai commandée le 30 novembre et je l'ai reçue aujourd'hui, on est le 19 janvier. Alors, ça a pris quand même... ils l'ont expédié tout de suite le lendemain. C'est pas de leur faute, mais ça a été là. Alors, j'ai commandé Wish Upon a Book, un carré de 80 par 60. Alors, j'apprécie que ça soit livré dans un tube. C'est un carton solide. Là, ici, on dit « Kit Contents ». Alors, on a le canevas, on a les diamants, on a un sac d'outils. Alors, on a le crayon, le plateau, la cire, puis un applicateur multiple. Alors, on va enlever ça. Fait que c'est dans un petit cellophane. C'est arrivé dans un plastique... des gros plastiques gris, là. Alors, on va regarder ça. Alors. C'est pas endommagé du tout. Même si c'est endommagé, ça serait pas leur faute vraiment. Parce que, en tout cas, la boîte est pas endommagée. Je veux dire que Post Canada, pour une fois, ou bien Post, puis la pas rien que Post Canada, mais Post... Australie, ça vient d'Australie. J'ai rien d'autre là-dedans. OK. Alors, on va regarder. D'abord, le toolkit. C'est vraiment ma première commande chez eux. Fait que j'ai aucune idée du toolkit. Alors, on a un petit plateau blanc. Au moins, c'est pas un vert. On a un multiplaceur de... Ça, c'est un... Je pense que c'est un 7, mais c'est un mince. J'apprécie que ça soit un mince. Pas les larges, parce que les larges, j'apprécie. J'aime pas les larges. Un crayon, bien ordinaire. Un squishy. Pour faciliter ceux qui utilisent le crayon. Ah, on a un autre multiplicateur de 4. Moi, j'utilise tout le temps le 4. Puis, un plateau. Ah, la cire est ici. Ah, c'est une cire blanche. Cire blanche. Ah, c'est la première fois que j'en ai de la cire blanche, mais il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Alors, fait que c'est la première fois que j'ai de la cire blanche. Bon, ben, il paraît qu'elle est meilleure que la rouge. Aucune idée. De toute façon, moi, j'utilise pas la rouge, je l'aime pas. Fait que j'utilise soit des glue dots ou bien soit de la colle à, pas de la colle en tout cas. J'y reviendrai des affaires là, pour Shake It ou je sais pas comment qui s'appelle. Pour les musées, là, une pâte grise. Elle ressemble à Blutac, là, mais c'est gris. OK, alors, on va regarder. Bon, d'abord, ici, regardez les couleurs. OK. Alors, on va... cette compagnie-là, non. C'est des toiles licenciées. Alors, il paye l'artiste. OK. Alors, je vais le rouler de l'autre côté. Bon. Alors, on a une feuille de suivi. Attendez, je vais juste faire ça ici pour bien le... Alors, on a une feuille de suivi.
Queen Club Share. Fait que c'est ça, c'est licencié. C'est une pièce de Amy Stewart. Moi, j'aime bien Amy Stewart. On n'a pas d'étiquette. C'est pas une étiquette, ça, c'est juste une feuille de suivi. On a 57 couleurs, mais moi, j'ai juste à mettre dans mon petit appareil pour faire des étiquettes. Je vais pouvoir faire des étiquettes avec ça. 57 couleurs. Si on regarde comme il faut, on a deux couleurs AB. Jaune et rouge, ils mettent AB après. Ça fait que... Sinon, là, je regarde les symboles. Qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus proche. OK, les symboles. Je regarde. On a des chiffres, des lettres. Je regarde s'il y a des choses qui pourraient être... Ici, j'ai un gris. Je vois rien qui pourrait... N, V, G... On va regarder sa toile, qu'est-ce que ça a l'air. 5 rouges, est-ce qu'on a un S? Pas l'air d'avoir de S. Non. On a un F rouge. 4 rouges. OK. Non, ça a l'air clair. Ah, on a un S, mais il est brun. Fait qu'il n'y a pas de danger de se mélanger entre les deux. OK. Fait que ça, je vais rouler l'inverse aussi. Je vais l'étendre. OK. Alors, c'est createloveshare.au, je pense, pour le trouver là. Alors, ça, j'enlève ça de là. Les diamants, on va regarder après. Alors, ça, c'est toi, j'avais hâte, parce que je l'ai pas vu déballer nulle part sur YouTube. OK. Attendez. OK, les deux. Bon, moi, j'aime toujours les pièces de Amy Stewart. Puis, je trouve que c'est dommage. On n'en voit pas chez, en tout cas, chez d'autres. On n'en voit pas beaucoup d'Amy Stewart, des diamond painting. OK. Faut dire qu'elles sont très, avec les bibliothèques, on en a beaucoup avec des bookshelf, là, puis les bibliothèques, là. Puis, ils sont assez détaillés. Fait qu'elles mettent en diamond painting, que ça soit, beau. Alors, je vous montre la toile. OK. Bon, c'est sûr que... Oui. Ici, on voit Wish Upon a Book. Ici, attendez. Ici, on le voit bien. Bookshop qui est écrit à l'envers parce que c'était c'est au-dessus de la porte extérieure. On a la caisse ici. OK. Alors, on va regarder de plus près. Bon. On va voir les symboles. G et J, c'est les... G et J, c'est les AB. Ou est-ce que ça pourrait probablement que le G est là-dedans? Bon, bookshop, non, là-dedans ici. Ouais, Wish Upon a Book. Il est écrit avec des AB. Puis le J est jaune. Dans quoi qu'il pourrait être? Dans la lampe en haut? Oui, dans la lampe en haut. On a les J ici. Dans la lampe. On doit en avoir ici aussi. On a un petit peu ici. Voilà. Elle est très, très belle. Alors, je vous la montre détaillée. Oups. OK, on a l'escalier. Le lampadaire. On a un poster en dessous de
La rampe d'escalier en dessous de l'escalier. Ah. On va faire beaucoup de lignes là-dedans. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de lignes. Parce que beaucoup de livres, fait que les livres sont tous de la même. Fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes. Le multiplaceur va se faire aller par là. OK. Alors, on va regarder les diamants. Alors, je disais qu'on avait 57. On a l'air d'être en ordre de numéro. Ouais. OK. Bon, on va y aller par ordre de numéro. Alors, on y va. 166, 208, 300, une fois, deux fois, 301. Du 310, on a 1, 2, 3. Je vais juste regarder en même temps. Ouais, le 3 sac. On va regarder en arrière. J'ai. Qu'est-ce que ça a l'air? OK. Je sais que diamant et strass, il y a 4 sacs de 310. Je sais que diamant et strass, elle a fait Christmas Village de Crier Clochet. Elle dit qu'elle n'a pas eu de problème avec les diamants, sauf qu'il y avait beaucoup d'amas dans les diamants. Donc, je ne sais pas si ça va avoir le même problème. 400. Vous êtes trop proche. Mais, OK. 400. Une fois. Deux fois. 433, 434, 435, 436, 498 deux fois, 550, 612 deux fois. Alors, ça, c'est une première vente. Ensuite, après 612, où j'aille chercher 640, doit être, ouais, ici. Alors, 640 deux fois, 645, 647, 666. Ah, on a du 666 ordinaire, puis on a du 666 AB. Fait qu'on l'a des deux façons. 720, c'est deux symboles différents. Je regarde. Oui. 720. Deux fois. Trois fois. Sept cent trente. Sept cent quarante. Sept cent quarante et un deux fois. Sept cent quarante-deux. Sept sept neuf. Sept neuf sept. Sept neuf huit. 814, on en a deux. 820. 890. Après 890, on aurait 893, qui serait... attendez. Ici. Alors, 893, 905, 906, 920, 931. 938, deux fois. 945. On en a 4. 945, c'est quoi cette couleur-là? C'est. Je me demande où ça va. Ah, c'est les, dans les murs. OK. 951. 995. 32. 33, 28. 33, 50.
33-71 deux fois, 37-21, 37-22. $37.52, $37.56, $37.71. J'adore cette couleur-là. J'en ai deux sacs. $37.73, deux fois, trois fois, $38.01, $38.30, $38.37, $38.44, $38.45, $38.60, $38.62, 38,65. On n'a pas beaucoup de blanc. Alors, 444 AB, puis 666 AB. Disons que pour les AB, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Je regarde, je ne vois pas d'amour. À date, ils ont l'air d'être bien. Puis ils n'ont pas l'air d'avoir d'électricité statique non plus. On verra bien. Dans le temps, comme on dit. Alors, je vais tasser ça. Alors, je vous remontre Wish Upon a Book, une œuvre de Amy Stewart, un 80 par 60, avec des diamants carrés que j'ai acheté chez Create Love Share. Alors, si vous avez des commentaires ou suggestions, je vous invite à les faire. Si vous mettez un like sur mon vidéo, ça m'aide. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite aussi à le faire. Alors, je vous dis à la prochaine!